ton hamster. T'entends ça, Rocky? Et comment tu voudrais que je reproduise ces toutes petites pattes? Bah oui, voyons. En tout cas, merci pour lui, il va être content. Est-ce que tu peux faire un siège de guerre du Moyen-Âge ou alors un bateau volant? Oui, ça pourrait être pas mal. Dommage qu'il n'y a pas l'espace. Prochain défi, fais un hamster volant. C'est encore pour toi, Rocky, ça. Fais une moissonneuse qui avale ton papillon. Et pourquoi tant de violence envers mon butterfly? Salut, Jolat. Défi, faire une construction de ton choix en moins de 20 éléments stables et qui volent. Bonne chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est parti! Bon bah on dira que ça fera l'affaire. Allez, suivant. Défi Mecha Jola Droïde, oui, pourquoi pas. Défi Hulk énervé, oui, fais une montgolfière SVP. GG pour ton papillon. Ah bah merci pour mon papillon, ça fait plaisir. J'ai déjà demandé et c'est trop dur. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais demandé de faire une montgolfière aussi. J'ai fait de la pub pour Rocky, bonne vidéo, j'ai mis un like. Alors ça fait super plaisir, j'y passerai le message, merci à toi. Prochain défi, fais un avion qui vole. Tous les avions volent. Alors j'ai envie de te dire que tous les avions ne volent pas. Les miens par exemple ne volent pas. Ou pas bien droit en tout cas. Astrodia qui nous dit laisse-le, il est con. Alors Astrodia, c'est pas très gentil de dire qu'il est con parce que tous les avions ne volent pas. Regarde les miens, ils volent pas bien droit. Donc il a quand même un petit peu raison. Et surtout quand on dit à quelqu'un qu'il est con, on se redresse, on lève la tête et on assume. On n'écrit pas des trucs encore plus cons derrière. Tu vois ce que je veux dire? Bref, fais une maison en réacteur, Rocky, un Transformers, un dragon de Skyrim, tu déchires, merci, ça fait plaisir. Un Jolat géant, un avion, et un avion, un géant qui marche tout seul, un 651, on dirait plutôt un dragon qu'un papillon, oui. Un taureau, un chien, drôle de papillon, oui, j'avoue. C'est pas pour dire, mais ton papillon est parti en couille, un petit peu quand même, oui. Fais un robot Jolat, oui. Fais une cabane dans les arbres, alors on peut pas construire de cabane dans les arbres. En fait, on peut rien construire dans les arbres. Faire un robot chien qui marche et qui se transforme en humain pour voler, waouh, c'est chaud. Oui, ou un Iron Man. Oui, c'est vrai, ça va plus vite, oui. Fais un Iron Man. Trop mignon, toi, hamster. Ah, merci, je lui dirai. Un rhinocéros, gros mignon Kiki. Merci pour lui. Je peux faire un animal aquatique, un dauphin, un poisson, oui. Un monster truck. Oui, pourquoi pas. J'ai une super idée, faire BB-8 de Star Wars. C'est facile, ça. Mais je connais pas, moi, BB-8. Alors, moi, dans Star Wars, je connais R2-D2. Ah si, BB-8, c'est le robot, là. Le robot doré? Peut-être que c'est ça. Un tank. Essaye de faire une fusée, mais pas une fusée normale. Une fusée sphérique. Alors, il n'y a pas l'espace. Hein. C'est vérifié avec mon papillon de la mort qui tue dans la dernière vidéo. Il n'y a pas d'espace, les gars. Il y a une limite du plafond de la map. Une pizza au chocolat. Fais ton hamster. Fais un tank. Une moto. Un volcan avec de la lave. Waouh. N'importe quel Pokémon. Un chihuahua ou une biche volante. Oui. Un rocky volant. Un serpent. Un cheval. Une moto. Un cheval dragon. Un dinosaure avec un jetpack. Carrément. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bref, je vais pas dérouler tous vos commentaires, mais vous m'avez laissé plein de défis, je les ai tous lus. Et il y a un défi qui est revenu pas mal dans les commentaires et qui me paraît plutôt original. C'est faire un Iron Man. Allez, go faire un Iron Man. Ok, très bien, tu veux un Iron Man? On va faire un Iron Man, ça va être un truc de malade. J'avais pas dit ça déjà pour le papillon? Ouais, mais là, ça va vraiment être un truc de malade. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les pieds du Iron Man. On va les faire avec ces blocs-là, voilà. Oui, ça c'est un pied. Ensuite, on va y faire une belle jambe comme ceci. Voilà, ça c'est un pied et une jambe de mon Iron Man. C'est plutôt sympa, non? On va faire la même chose de l'autre côté. Et regardez, il commence à avoir de la gueule, mon Iron Man. Attendez, parce que là, c'est complètement la freestyle à one again. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Il faut qu'on obtienne un truc stylé, quand même. On va y faire des jolis bras d'Iron Man. Ouais, le truc de fou, là, je vous dis, je sais pas dans quoi je me suis lancé, mais ça va être un truc de malade. On va y faire des jolis bras d'Iron Man. Voilà, comme ceci. Ça prend de la gueule, vous allez voir. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais tout doucement, on va y venir. Est-ce que c'est symétrique? Ça a l'air, hein. Il a pas un bras plus long que l'autre, là? Non, je crois pas. Hein. Très bien, ça va être la partie délicate. On va bientôt attaquer la tête. Ça va être un truc de malade. On va pas y faire une trop grosse tête, quand même, Iron Man. Hein. Voilà, disons qu'au niveau de la tête, ça fera l'affaire. Hein. On va y faire deux beaux yeux d'Iron Man. Oui, bah, on n'a pas tous le même sens artistique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. On dira que ça fera l'affaire. Iron Man, il a souvent le sourire, quand même. On va y faire un beau sourire d'Iron Man. Non. Là, il a plus l'air d'un con, là. On va y faire des mains d'Iron Man. C'est parti. On va y faire 5 doigts. 1, 2, 3. Et bien, il aura que 3 doigts. C'est pas grave. C'est plutôt correct, hein. Il a pas une main plus grande que l'autre, là. Ça a l'air symétrique, hein. Très bien, je pense qu'on va un peu y élargir ses pieds. Voilà, très bien, ce sera mieux. Alors, bien sûr, on est d'accord qu'Iron Man sans réacteur, c'est pas Iron Man, les gars. Voilà, on va y en mettre deux comme ça. Bien sûr, ça va pas bien si on n'y met pas des réacteurs sous les pieds. On va y mettre un réacteur là, on va le descendre. Oh putain. Oh putain. Quoique c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Vous croyez qu'il va décoller comme ça, mon Iron Man, là? Je pense que j'ai confiance. Très bien, on va mettre un bouton juste ici, voilà. On va relier tous ces réacteurs au bouton poussoir, voilà. Et là, j'ai envie de dire que c'est le grand saut, les amis. Il manque juste un truc à notre Iron Man pour qu'il soit parfait. Juste un tout petit truc. J'ai envie de dire la cerise sur le gâteau et là, il sera parfait.
Là! Ah bah voilà! Là il est beau notre Iron Man! Là il est parfait! Bon, c'est le grand départ. On va voir ce que ça donne. Ne me déçois pas Iron Man. Vol! Allez, c'est parti. On va appuyer sur le bouton. Envole-toi Iron Man. Hein? Envole-toi. Ok d'accord, faut... Ah d'accord. Non! Non! Merde! Ok d'accord, faut rester appuyé sur le bouton. Bon, et bah du coup, c'est pas bon. On va mettre autre chose. Je vais mettre un interrupteur. Voilà, on va mettre un interrupteur. Du coup, faut que je relie les réacteurs à l'interrupteur. Allez, là c'est pas mal. C'est parfait, j'ai envie de dire. Ne me déçois pas, Iron Man. Envole-toi aussi où que tu peux. Allez, c'est parti! Regardez! Regarde! Oui, regardez! Regardez, il s'envole! Ça y est! Alors, je vous l'ai pas dit que je serais un Iron Man! Alors, regardez, il fait même des pirouettes! Qu'est-ce qui se passe? Merde, on va aller l'éteindre. On va aller l'éteindre. Arrête-toi, il est parti où? Merde, il est parti où, les gars? Je l'ai perdu, putain. Merde, non! Tout à l'heure, quand je l'ai mis en route, j'ai l'impression qu'il s'est envolé vers l'arrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du poids à l'avant. Tout simplement. Voilà, comme ça. Et bien sûr, on va devoir déplacer l'interrupteur. On va mettre l'interrupteur là. Ouais, mais les gars, je sais ce qui manque à notre Iron Man. Qui c'est qui pilote Iron Man, les gars? C'est Tony Stark, on est d'accord? Je serai Tony Stark. Allez, c'est parti. Je vais faire un siège de pilote. Pour ça, ça va être très simple. Il faut que je change l'interrupteur de place. Voilà, on va se faire un siège de pilote juste ici. Ça va être un truc de fou. Voilà, ce sera parfait. On va mettre l'interrupteur juste ici. Et on va relier tous les réacteurs. Ok, c'est l'heure de vérité. Tout est relié. Non, c'est pas l'heure de vérité, là, ça va pas du tout. Non, non, finalement, ça me plaît pas du tout. Le siège n'est pas symétrique, ça me plaît pas. Mais je crois que je peux pas faire mieux au niveau de la symétrie du siège. On va tester comme ça. Allez, c'est parti. Allez, vers l'infini et l'au-delà, c'est parti, les gars. Allez, faut d'abord que j'appuie sur le bouton et après que je m'assoie vite fait. Allez, c'est parti. C'est parti, on s'assoit. Regardez les gars, regardez. C'est... Merde, on part en couille, trop de poils avant. Je suis trop lourd les gars, on est en train de piquer. On est en train de piquer. Vas-y, relève-toi Iron Man, relève-toi. Oh le salopard. Ça va pas du tout les gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de poils arrière. Très légèrement. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal au niveau du poil arrière. Allez, vas-y, c'est parti. Allez Iron Man, ne me déçois pas. Putain oui, à chaque fois par contre... Ah bah oui, mais non, c'est vrai. Qui c'est qui m'a dit, déjà, dans les commentaires, que je pouvais créer un raccourci? Merci à celui qui m'a donné l'astuce. Je m'en souvenais plus. Donc, si j'appuie sur le bouton 1... Allez, c'est parti! Ah, merde! Il y a trop de poils arrière, maintenant, les gars. Ça va pas. Arrêtons le massacre. Je vais enlever du poil arrière. Il y en a de trop. Voilà, là, ça devrait être pas mal. Allez, vas-y, c'est parti, Iron Man. Emmène-moi aussi loin que tu peux. Allez! Regardez! On est stable! On est stable, on est stable, on est stable. Oui et non, j'ai envie de dire. Disons qu'il est un peu crispé, mon joueur. Il a pas bien confiance. Il est un peu comme moi, au final. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Ouais. Vous voyez qu'elle sert la suspension sur la tête. Hein? Il y a encore trop de poils arrière, les gars. On va enlever. Voilà, on va faire comme ça. Là, je pense qu'on est pas mal. Faut trouver le juste milieu. Oh putain. Oh putain. Non, c'était pas bon. Allez, c'est parti. Vas-y, Iron Man, vole. Là, on est stable, les gars. On est stable. Et c'est là qu'on va voir s'il y a effectivement une limite de l'espace ou pas. Quoi? Bah de toute façon, je vous l'annonce, il y a une limite. Hein. Mais on part en couille, là. On part totalement en couille. On redresse. C'est bon, on se redresse. Regardez, regardez. À un moment, il va se cogner la tête sur le plafond. Hop, voilà. Voilà. On peut pas aller plus haut, les gars. Il y a bel et bien une limite de l'espace. En fait, il n'y a pas d'espace dans ce jeu, tout simplement. J'ai envie de faire un saut en parachute. Oh putain. Oh, Iron Man. Non. Regardez notre petit Iron Man. Regardez, on le voit encore. Il est là-bas. Je veux pas le perdre de vue. Je ne veux absolument pas le perdre de vue. Je suis arrivé. Je suis par terre. Ah ouais. Merde, je le vois plus. Ah si, il est là-bas. Il est là-bas, les gars, regardez. Regardez, on va le suivre. Je pense qu'on y a rendu sa liberté, les gars. On le reverra plus. Ah si. Ah bah si, il arrive. Oh putain, ah bah si, ah bah le v'là. Ha ha, voyez. Et c'est là qu'on voit toute l'utilité de la petite antenne que j'y ai mis sur la tête. S'il l'avait pas eu, eh ben il se serait peut-être pas piqué tout droit comme ça dans la terre. Allez savoir, on sait pas. Eh ben voilà notre bel Iron Man, c'est pas mal. Bon bah là faut l'imaginer un petit peu dans l'autre sens, mais il est plutôt bien. Et moi j'ai envie de vous dire encore une fois, défi relevé. Iron Man tu as voulu? Iron Man voici.
Bon, et bien, très bien, encore une fois, je remercie tous ceux qui m'ont laissé des défis dans les commentaires, aussi farfelu soit-il. Ça me fait toujours marrer de lire vos commentaires, donc merci à tous, vraiment. N'hésitez pas à me laisser d'autres défis dans les commentaires, et moi, je vous dis rendez-vous au prochain défi, et ciao tout le monde. Bye. Faudrait peut-être que j'y rajoute 2-3 fusées, histoire d'avoir plus de patates.